Romain Brison, pied droit de la SBH, Romain, on en avait parlé juste avant de la semaine, c'est ton dernier match ici à l'Uniterranée, c'est quoi ton ressenti ce soir? Bah, content, je pense que battre, on recevait Bayonne, donc on savait très bien que ça aurait été compliqué, les battre en plus avec le bonus, on peut dire que c'est une belle sortie, après je peux remercier le monde qu'il y avait, parce qu'on est un jeudi et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a fait le déplacement, donc dire merci à tout le monde pour ça, parce que ça a vraiment été un beau match, une belle ambiance, donc content quoi. Tu retiens quoi de tes deux saisons à Passe à Béziers ? Oh, je retiens beaucoup de choses parce que c'est un club emblématique hein, par son histoire, par beaucoup de choses. Les gens que j'ai rencontrés ici sont bien, les supporters sont géniaux, même si dans les mauvais moments des fois c'est un peu plus dur, mais du moins on sont restés notre soutien jusqu'au bout et je pense que ça n'a pas de prix. Sur les déplacements ils étaient là, donc je pense qu'il faut que ça continue comme ça pour les belles années de l'ASBH. Romain, pour revenir au match, les 5 points ce soir qui permettent de pouvoir disputer un quart de finale à Montauban. Ouais, comme j'avais dit dans la semaine, on a été à Bourgoin, c'était un 16e de finale, on l'a remporté, peut-être de 3 points, mais on l'a remporté. Ce soir, on a disputé donc un 8e de finale et on l'a remporté avec un point supplémentaire que ce qu'on espérait. Donc on va y disputer un quart de finale à Montauban en espérant que ça nous sourit pour avoir les demi après, ensuite. Romain, tu aurais vraiment à faire passer aux supporters pour ce déplacement en masse du côté de Sapiac dimanche prochain ? Ben oui, je pense que là, c'est le déplacement ou jamais. Je veux dire, on est dimanche, c'est un quart de finale. C'est un quart de finale, donc ça veut tout dire. Ça va se jouer à pas beaucoup de points, c'est un match très engagé. On va là-bas en plus, donc je demande à tout le monde de venir parce que le 16e homme compte beaucoup sur le terrain. Et on souhaite que ce ne sera pas les 80 dernières minutes de la saison. On espère aussi. Romain, merci beaucoup.